ma télécommande ou je te transforme en patate à roulettes. D'abord, à Roquette de lâcher mon boomerang, sinon Bill va lui mettre la pâtée. Le truc qui gigote derrière lui, c'est un chien. J'ai cru que c'était une saucisse. Mais de saucisse. Je connais une andouille qui va l'avoir sur le dos, la saucisse. Appelez-moi sa majesté des chiens. Allez, Roquette. Bien joué, Bill. Les garçons, j'ai 3 places pour aller voir le concert de Crystalline ce soir. Ça va être génial. Il paraît qu'il y a des centaines de drones lumineux sur scène. Vous imaginez? Lâche ma télécommande, Sylvia. Tu m'as dit de le lâcher. Vous avez entendu? Crystalline, concert. Vous allez nous le payer, toi et ton rase-moquette. Stop. Merci pour les oreilles. Je voulais vous inviter au concert de Crystalline ce soir, mais comme vous passez votre temps à vous disputer, je vais proposer ces places à Pouf et à Nolan. Mais non, on veut y aller. Vraiment? Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous prendre le chou et faire des histoires? Bah, on est copains, on est même super copains. Hein, Axel? Aïe. Les copains, ça ne se dispute pas, hein? Meilleurs copains même. Ils ont complètement craqué ou quoi? D'ailleurs, on allait jouer à la maison entre meilleurs copains. Hein, Axel, tu veux venir avec nous? Est-ce que ça veut dire que la grosse truffe ici présente va venir chez nous? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Je sais pas, une partie de balle aux prisonniers? Amène des pluches tant que t'y es. J'ai plus d'idées, t'as qu'à proposer, toi. C'est pas ma faute si t'as que des jeux de bébé. Meilleurs copains? Je voulais dire, oh chouette, on adore jouer à ça depuis qu'on est bébé. F et 10. Trouvé. Patate à roulettes. Nain de jardin. Chien pourri. Croquettes avariées. Andouille farcie. J'irai sans vous. Vous êtes trop nuls. Attends. Je te promets qu'on se disputera plus. Et même je lui porterai son cartable tous les jours. Et même on se donnera la main pour aller à la cantine. Je vous en demande pas tant. Non, ce que je me disais, c'est... Est-ce que vous seriez capable de faire quelque chose de sympa, trop cool tous les deux? Genre... me rapporter le piano près des poubelles avant que les encombrants ne viennent le prendre. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Mais ça va nous prendre la journée. Sinon, il y a celui qui est chez moi. Peut-être que si je demande à mes parents de... Je veux un piano à moi. T'inquiète, Noisette, je vais te le rapporter, moi, ce piano. Non, moi, je vais te le rapporter avec Bill. Il faudrait prendre l'habitude de me consulter avant de parler. Vous y allez ensemble ou pas de concert? Ok. Caro, je te confie Noisette jusqu'à la fin de notre mission. Tu demandes à une tortue de prendre soin de moi. Waouh, merci. À tout à l'heure, les garçons. Je suis sûre que vous allez faire une équipe de choc. Si cette bande de sardines avariées croit que je vais les laisser rapporter un piano sur ma truffe, elle rêve. J'ai toujours détesté le piano. Bah, tu tombes bien, Georges. Non, 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 attends, je suis à contre-sens, là, je vais être malade, arrête. Le dernier arrivé au piano est une crotte de bonne. On a l'habitude de le dire, ça va être son nouveau surnom. Attention, virage à droite. Désolé. Allez, on fonce. Bah les pattes, chien des bois. Doucement, Roquette. Hé, Roquette, tu feras gaffe, t'es à poil. De beau toi-même. Allez, encore un petit effort. On a parcouru combien? Je dirais 10 bons centimètres. Si ce truc avait des roues aussi. C'est difficile à croire, mais je crois que tu viens d'avoir une bonne idée. Ah, les voilà. Allez. Ça avance plus. T'as raison, c'est bizarre. Mais
c'est pas un piano à queue. Je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Bon, nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de mener notre mission à bien. On a l'impression que tu parles d'une diligence autour des cow-boys et des indiens. Eh, mais ouais, grave, c'est une diligence. Ouais, bonne idée. Il faudrait qu'on puisse surveiller l'ennemi devant et au-dessus. Ah ouais, ça a l'air cool comme ça. Mais elle avance comment, votre diligence? Oui. Trop bien. C'est la dernière fois que je pose une question, idiote. On peut toujours rêver. Je crois que je commence à apprécier le piano. Oh, ils font peur, les bourricots. Il aime pas ma musique, le minou. Allez, U. Non, pas U. Je crois qu'on a fait une boulette. Encore un gros voyage sans accroc, Billy. On s'ennuierait presque, Davy Rocket. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un abreuvoir pour nos fidèles destriers. La bourse ou la vie, hein? Aïe, 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 aïe. Attention, Axel. Toute la journée que ça va nous prendre, c'est toute notre vie. Au secours. On se reverra, chien de poubelle. Et vous changerez de rabat. T'es devenu mélomane, poil à pupus. Ouais, t'as oublié le piano. On a bien mérité une petite pause, hein, Axel? Ça, on l'a pas volé, hein, ok. On va voir qui c'est le mélomane. Wolfgang Scham Yadeus, c'est à toi. Ils en mettent un temps. On devrait peut-être aller voir. Ou pas. Je suis sûre qu'ils sont encore en train de se disputer. Je vais en avoir le cœur net. On y va. Hein? Mais... Oh, j'étais bien, moi, à me dorer la carapace. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend? Plus vite on livre le piano. Plus vite on fait dodo. C'est sûrement un piano magique. J'ai lu une BD comme ça où les instruments prenaient vie. On n'a qu'à l'apprivoiser. N'importe quoi. Moi, je crois plutôt que c'est comme dans les saloons. C'est un piano qui joue tout seul. Il y en a dans les aventures du Kid. Mais bien sûr, regarde un peu, ça ressemble à Cowboy City, c'est absurde. Non, t'as raison, doit y avoir une fée à l'intérieur. N'importe quoi, j'ai pas dit ça. Et qui a parlé de magie? C'est pas parce qu'on a joué à la diligence que c'est le Far West. Magicien pourri. Cowboy en plastique. Bravo. J'en veux plus du piano et je veux plus vous voir non plus. C'est un échange de points de vue, c'est tout. C'est parce que le piano, il... s'est mis à jouer tout seul. Alors on se demandait pourquoi, on s'est un peu enflammé, c'est tout. Oui, c'est ça, enflammé. Mais on s'entend bien, promis juré. Et en plus, vous mentez. Il joue même pas tout seul, ce piano. Je vais plus vous voir. Alors, on appelle l'oreille musicale d'un seul coup. Caporal! Caporal! Mais alors, vous ne disiez pas des mensonges? El maestro, caporal! Attendez, j'ai une idée! Caroline, tu vas aller chercher Noisette! Bill et Rocket, vous allez... C'est pas la peine, Caroline, laisse-moi! Quoi, Caro? Il se passe quelque chose? Il y avait quelqu'un qui jouait du piano dans le piano? Mm-hmm.
piano dans le parc? C'est une idée à vous. Mais c'est fantastique! Pour une fois, vous m'épatez, les enfants. En tant que jardinière bénévole du parc, je déclare que désormais, le piano sera à la disposition de tous. À commencer par moi. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Et voilà. Bon, il faut l'accorder, mais... Mais il était pour toi, Noisette, ce piano. Tu veux que... Non, c'est pas grave. C'est encore mieux qu'il soit à tout le monde. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à vous entendre avec Axel. Alors, à ce soir pour le concert. Youpi! On se retrouve à la maison. Ah, oh, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano. Et si on lui jouait un morceau à 8 pattes? Bon, il est déjà complètement sonné. Je préfère qu'il se remette avant de lui frotter les oreilles. Où est passé Billy la terreur du Far West? Tu te dégonfles, je tiens mouillé. Il a du chien mouillé. Il a du chien mouillé. Ouais, là c'est sûr, on va pulvériser Axel et Rocket à la passe à 10 tout à l'heure. Bah alors, Caro, tu rêvasses ou quoi? Désolée, c'est le jour du marché aujourd'hui, alors j'attends ma salade frisée. On est pressé, hein, les petits gourmands. Alors, voilà pour toi, Bill. Et ça, c'est pour Boule. À moi, à moi, à moi, à moi. Oh. Oh, je suis vraiment désolée, Caroline, mais il n'y avait plus de salade frisée. Je suis arrivée trop tard. Mais je t'ai pris du chou à la place. Oh non, encore? Tu m'en veux pas trop, hein? Tu en auras la prochaine fois. Caro, tu veux la moitié? Attends, Caro! Je vais t'en rapporter une, moi, de salade. Oh, c'est vrai? Parole de cocker, tu l'auras avant la fin de la journée. Je pense à un truc, Bill. On pourrait peut-être passer à la supérette avant d'aller au match. Hein? Chercher une salade? On fonce! Mais oui, on est dimanche. Oh non, j'ai promis à Caroline. Bon, allez, viens, Bill. On n'en trouvera pas aujourd'hui. Tout est fermé. C'est bien beau, ce match de basse à 10. Mais faut que je trouve une salade, moi. Tiens, tiens. Yof. Je t'attends sur le terrain. J'arrive pas. Un petit coup de patte, monsieur Moustache. Faut faire attention avec ces trucs-là. Ça s'accroche partout. Merci, Bill. C'est très gentil à toi. Ne bouge pas. Je vais te donner quelque chose. Tiens. Je veux pas de biscuits. C'est ça que je veux. Ben alors, depuis quand tu manges de la salade? Bon, d'accord, tu peux la prendre, tu l'as bien mérité. Petit lapin, va. Et voilà, je tiens toujours mes promesses, moi. Trop fort, Bill. Caro va être
s'entraîne maintenant. Allez. Hey Bill, il y a un arrivage de poulets dans les poubelles du restaurant. Mais c'est trop haut pour moi, t'as vu? Hey, tu veux pas m'aider? Du poulet? J'arrive. Tu veux bien que j'y aille, Boule? Tu veux aller jouer? D'accord, hein, mais tu reviens. Axel et Rocket vont bientôt arriver. T'inquiète, Bill, je la surveille. T'as raison, Ming. Ça flaire bon le poulet dans ces poubelles. Un petit coup d'ascenseur et ce sera réglé. Ah, c'est magnifique! Il y en a plein, il y a du foie, il y a des cuisses. Valère, ta fourrière! Tu ne m'échapperas pas, petit Valère! Va-t'en, Bill! Tu vas te faire attraper aussi! Pas question que je te laisse! Viens par là! Oh, tu l'as rendu complètement ouf! Merci, Bill! Y'a pas de quoi, Ming. Faut que j'aille retrouver Boule. À plus! Oh, moi, ma balle! Caporal, tu piques pas la balle de pluche! Salut Pouf, prêt pour faire l'arbitre du match? Mais c'est bizarre, je viens de voir Bill partir par là avec Pluche. T'es sûr qu'il sera revenu pour le match? Bien sûr, Bill, on peut toujours compter sur lui. Alors les cabots, on a la trouille d'entrée? Non mais tu rigoles ou quoi? Bouge pas, j'en ai pour 2 minutes, je connais tous ces trucs. Alors, il est passé où? Allez, Georges, à toi de jouer. Protège-nous des intrus. J'ai dit la balle, donne-la-moi. Et voilà le travail. Cool, Bill. On se fait une partie pour fêter ça? Pas le temps. Il y a Boule qui m'attend au parc. Bill, c'est la cata. Ming s'est fait prendre par la fourrière. Bon, bah, d'accord. Je te suis. C'est par là. Bill, mais t'es où? Bill n'est pas là? Ça m'étonne pas. On peut jamais compter sur lui. Ouais, dis plutôt que t'as peur de te faire ratatiner. Il va venir, tu vas voir. Hé, hey, oh là là, elle est belle cette salade, hein? Ma mère en fait pousser des comme ça dans son potager. Et hop, par ici la sortie. Ah, je t'aurais comme ça. Merci, Bill. Il n'y a pas de quoi, Ming. Je t'aurais jamais laissé. Bon, je dois y aller. À plus. Eh, mais si Bill n'est pas là dans 2 minutes, on gagne par forfait. C'est bien ça, monsieur l'arbitre? Oui, c'est bien ça.
Bravo, Bill. C'est maintenant que tu arrives. Pff, quelle honte. Bah quoi, je suis à l'heure. Bon, on se la fait cette partie. Dommage pour vous, Bill est de retour maintenant. C'est parti. La première équipe qui réussit à faire 10 passes de suite remporte le match. Hop, par ici la balle. 2, 3, 4, 5, 6. Et... Nom d'un os, la salade. Pas grave, Bill. Au moins, t'as sauvé la salade. Hein? Mais attends, c'est toi, là? Je suis drôlement photogénique, non? Ce chien dangereux est recherché par la fourrière? Je te tiens, grandes oreilles, et je ne te lâche plus cette fois. Relâchez-le! Il n'a rien fait du tout! Je partage dans les poubelles, vagabondage, outrage à agent. Ça va coûter très cher à tes parents, ça, mon garçon. Pauvre Bill, il fait le maximum pour aider tout le monde et voilà le résultat. Mais on va pas le laisser tomber, hein, les copains? Oh non, la salade. Je sais. Dis, Pouf, ta mère, elle fait bien pousser des salades. Alors, Bill, tu l'as caché où? Eh ben, justement, tu sais, la salade, en fait... La voilà. Oh, merci, Bill. T'es le meilleur ami du monde. Pour la fête des mères. Ça vous plaît? Je vais le laisser ici jusqu'au goûter. Je veux que ce soit une surprise. Bon, allez, on retourne jouer? Ça marche. C'est bon, papa, je suis prêt. Parfait, voyons voir cette recette de gâteau. Mia, maman va adorer. Prête, Caro? Essaye d'attraper ça. Ça, c'est clair. Boule va être furieux. Phew, c'est bon. Le beurre, c'est bon. La farine, c'est bon. La levure... Non, c'est pas grave. C'est pas un peu de levure qui va changer les choses, non? Je sais pas. Phew!
Ils ont rien entendu. Qu'est-ce qu'on va faire, Bill? T'inquiète pas, on va réparer nos bêtises. Vous avez des petits problèmes, on dirait. Ça te regarde pas, Caporal. Je dis ça parce qu'il y a une machine à remonter le temps chez moi. Waouh! Une machine à remonter le temps! Et alors, pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Ben, c'est comme dans l'épisode de Max contre le docteur du futur. Ah, mais oui! On va remonter le temps pour t'empêcher d'abîmer le cadeau de maman. Mais tu gagnes quoi, toi? Pas grand-chose. Je veux que tu m'accordes 4 vœux. Allez, Bill, dis oui. D'accord. Mais on sera jamais copains, hein. D'abord, je veux récupérer Coin-Coin. Rocket me l'a volé. Pardon, mais Coin-Coin, c'est pas un nom de souris. Oui, bon, c'est pas la question. Je veux le récupérer. Trop fastoche. À l'attaque! Il y a plein de bave dessus. Bah, tu pourrais dire merci. Mon deuxième vœu est le suivant. Je veux la commande de sushi de ma maîtresse dans le scooter. Ouais, t'es sûr que c'est pas du vol? Faut que tu restes concentré, Bill. Oui, mais je peux quand même en manger un tout petit bout. Il le saura jamais. Bill! Oh bon, d'accord. T'es prête? On va y aller. 1, 2, 3. Je crois qu'on a oublié quelque chose, Boule. Le sucre. C'est pas du vol, je les aurais mangés de toute façon. Troisième vœu, je veux rentrer là-dedans. Pluie de rose au royaume des chats. Ça parle de quoi? À ton avis? Ouais, d'accord, mais t'as vu le panneau? Interdit aux chats. Ça, c'est votre problème. Moi, je veux voir ce film. Oula! Il a pas l'air commode, lui. Va falloir qu'on fasse diversion. Comment? Eh, vous pouvez nous aider? Maintenant, il faut mettre le thermostat sur 9. C'est pas vrai. C'est quoi son problème à ce four? Bon, 7. C'est toujours mieux que rien, non? Alors, c'était comment? Franchement, c'était horrible. J'en ai assez de cette histoire de 4 vœux. Attends, j'arrive tout juste au vœu numéro 4. J'ai l'impression que j'ai quelques pouces. Il faut que je m'en débarrasse. Parfait, on est à côté de chez la toiletteuse. Loulou est la meilleure contre les puces. Loulou! Hé, hey, Loulou! Alors, Bill, pourquoi est-ce que tu traînes avec ce chat de malheur? C'est une longue histoire. On l'aide et il nous aide. T'aurais pas un truc contre les puces? T'es toute seule, Loulou? Ouais, ma maîtresse est pas là. On a le salon pour nous.
C'est parti, opération Antipus. Je me sens mieux. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais merci. Par contre, j'ai faim maintenant. Hé, tu les as eus, tes quatre vœux. Alors montre-nous cette machine à remonter le temps. On en a besoin. Attendez-moi une seconde. On aurait peut-être dû battre les blancs en neige. On doit tout recommencer. J'arrive pas à le croire, elle existe vraiment. Comment ça marche ce truc? Caporal? T'inquiète Caro, je vais... Hein? Une essoreuse à salade? Caporal! Soit tu trouves une solution à notre problème, soit je t'essore comme une laitue. Tu me fais pas peur. Oh, d'accord, j'ai peut-être une idée. 9, 9, 9. Oh, mais quelle plaie ce four, on va jamais y arriver. Et voilà. Au moins celui-là, il est bon. Il est pas très joli, mais il a bon goût, c'est vrai. Allez, va vite chercher ton cadeau, je vais appeler maman. Merci, Caporal. Tu nous as bien aidés. Bah alors, tu me remercies pas, Bill. C'est pas très poli, surtout que je t'ai fait un petit cadeau surprise. Ah bon? Quel cadeau? C'est une surprise, j'ai dit. Un indice, ça te gratte pas trop. Oh non! Tu m'as donné des puces! Tu vas me le payer très cher, Caporal. Bill, Caro, c'est l'heure du goûter. Délicieux. Je veux absolument connaître cette recette. Quelle main, maman? Celle-là. Waouh! Elles sont magnifiques, ces photos. C'est tellement... original. Oh oui, c'est... c'est intéressant. Joyeuse fête des mères, maman. Alors vous deux, je sais pas ce qui est arrivé à mon cadeau. Ne nous gronde pas, c'était un accident. Oh, si seulement la machine à remonter le temps existait vraiment. Mais maman a bien aimé. Et c'est tout ce qui compte. Venez là. Caporal! Caporal! Au secours! Où est Saphir? C'est pas vrai, tu vas pas nous refaire le même coup tordu à chaque fois. Ici.
Laisse tomber, Bill. Je vais demander à papa de sortir son échelle. Je l'aurai. Pas mal pour un caniche. Un caniche? Attends un peu que je t'attrape, sac à puce. Hein? Ce chien a vraiment le quotient intellectuel d'une petite cuillère. Oh, caporal, attention! Hein? Bill, tu viens de me sauver la vie. Tu es mon héros. Et moi, je passe tout mon temps à essayer de te pourrir la vie. Mais non, n'importe qui aurait fait pareil. Allez, ne pleure pas, c'est rien. Un câlin, un câlin, un câlin, un câlin. J'ai une dette envers toi, Bill. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Ah ouais, tout ce que je veux. Allez, papa, t'es trop fort. Oui, t'y es presque. Quoi? Les frisbees sont tous sur le toit? C'est la 12e fois en 3 jours. Je suis sûr qu'ils le font exprès. Non. Hey. Hein? Non, mais c'est pas vrai, j'hallucine. De rien. Non. Merci, papa. Mais où est-ce qu'il est passé? Hein? Ça va comme ça. Oh, plus haut. Oh oui. Oui, oh oui, là c'est bien. Décidément, on aura tout vu dans cette maison. Pendant que tu y es, tu peux changer l'eau de ma gamelle. Elle est un peu tiède. Moi, je reprendrai bien un brin de salade. Toi, on t'a pas sonné, le reptile centenaire. Tout de suite, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oh. Surtout, te sens pas obligé de nous suivre partout, hein. On n'est jamais trop prudent. Un accident est si vite arrivé. Oh là 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 là. Je rêve depuis quand les chats font la circulation. Oh, tu as vu ça? Bill a un nouveau garde du corps. Eh hey Bill, ton nouveau copain t'a appris à te servir d'une litière? D'abord, c'est pas mon copain. Et ensuite, il va finir par me rendre dingo. Merci, caporal, t'en as assez fait. On est quitte. Tu me dois plus rien du tout. Tu rigoles. Je te dois la vie, copain. Ce pot de colle ne me lâchera pas d'un poil tant qu'il n'aura pas payé sa dette. Nom d'un os. Mais bien sûr, j'ai juste à lui faire croire qu'il m'a sauvé la vie. Hein? Hey, Bill, attends-moi. Yip, les gars, ça roule? Yip, Bill, bah alors, t'es pas en train de faire joujou avec une pelette de laine? Eh ben, les nouvelles vont vite par ici. J'ai besoin d'un coup de patte, les copains. Faut que je me débarrasse de caporal. Salut, les gars. Bah, je sais pas, faut voir, on y gagne quoi? Ma reconnaissance éternelle. D'accord, si vous m'aidez, je vous dis où j'ai enterré mon plus bel os à moelle. Tu parles du gros que t'as eu à Noël? Merci, conclu. Super, voilà ce qu'on va faire. Un moustique plus gros qu'une vache, je vous jure. Allez, viens, caporal, par là. Ils sont où, Ming et Pluche? Oula, Gringo, ce parc n'est pas assez grand pour... qu'est-ce que je devais dire déjà?
C'est bon, assez grand pour nous trois. Ah oui, ce qu'il a dit. Et prépare-toi à mourir. Aïe-ya, ya, 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 ya. J'avais dit menaçant, pas ridicule. T'inquiète pas, Bill, je viens à ta rescousse. Mais les règles du parc, sans collier, on n'entre pas. À la fourrière. Revenez ici tout de suite, sale cabot. Oh, quoi? Non, mais j'y crois pas, là. Est-ce que tout va bien, Bill? Oui, caporal, tout va très bien. Tout va bien. J'ai pas encore dit mon dernier mot. T'es sûr que tu veux pas jouer avec nous? Oui. Bill? 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 Alors, je récapitule. Quand tu entends mon signal, tu pousses le pot de fleurs de la fenêtre du premier. Je crie Aaah! Caporal me tire hors de danger et hop, il m'a sauvé la vie. Des questions? Non, non. Bon, alors il n'y a plus qu'à. Waouh! C'est un temps parfait pour une promenade autour de la maison, non? Tout ce que tu veux, tant que ça te fait plaisir. Et quand il passe sous la fenêtre, je pousse le pot de fleurs dès que j'entends le signal. Oh! C'était quoi déjà le signal? Toi, je sais pas, mais moi en tout cas, je mangerai bien un petit panini aux chèvres et aux poulets. Un panini aux chèvres et aux poulets. Hein? Aux chèvres et aux poulets. Un panini? C'est bien une idée de chien, ça. Ben, c'est juste que j'aime par-dessus tout les... Panini aux chèvres et aux poulets. C'est le signal! Vite! Oups! Attention! Aïe! Oups! Désolé! Aïe! Tout va bien, papa? Oui, ça va aller. C'est peut-être moins dangereux de jouer dans le salon, non? Quelle chance que ce pot ne soit pas tombé sur nos têtes! Ouais, comme tu dis, on a vraiment eu de la chance. Je me demande bien ce qu'ils ont de si important à se raconter, ces deux-là. Oh, le gentil minou. T'es pas si méchant. Alors je vais t'expliquer une dernière fois. Je lance le frisbee, tu l'envoies sur le lampadaire que tu escalades en simulant une crise de vertige pour que Caporal te sauve la vie. Oh, bah tu vois, j'ai compris. Ah, c'est pas trop tôt. À toi, Caro. Oups, ça va pas plaire à papa. Bill, depuis quand tu grimpes au lampadaire? Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à crier au secours. Au secours! Caporal, je veux descendre! Oh là là, Bill joue trop bien la comédie. Franchement, on y croirait presque. Bill a besoin de moi. Caporal, tu peux pas savoir à quel point je suis contente de te voir. Tu pourrais me faire descendre. Bah en fait... Quoi? La toiletteuse m'a limé les griffes ce matin. Impossible de m'en servir pour escalader. Pas de panique, Bill. Je vais venir te chercher. Papa! Maman! Au secours! Je suis trop jeune pour mourir. Qu'on me fasse descendre de là! Au secours, papa! Ne me dis pas que tout ça, c'est encore à cause de ce fichu frisbee. Bon ben, vous n'avez qu'à sauter et je vous rattrape. Non mais ça va pas la tête. Saute. Jamais. Ok.
question. Ah, ces garçons, aucun sens pratique. Et voilà. Bonne idée, ma chérie. D'ailleurs, je m'apprêtais justement à aller la chercher. Merci, maman. Bill, tu mérites un Oscar pour ta crise de vertige. En tout cas, c'était une meilleure idée que le coup du pot de fleurs sur la fenêtre. Quoi? Alors le lampadaire, le coup du pot de fleurs qui tombe, les chiens méchants au parc? Tu avais tout manigancé? Oups, désolée. Attends, Caporal, laisse-moi t'expliquer. Y'a rien à expliquer, tu t'es bien payé ma tête. Puisque c'est comme ça, j'en ai terminé avec toi. Je ne te dois plus rien du tout. Et ça me va très bien, sa capuce. Redis-moi ça si tu l'oses, espèce de sale capot dégénéré. Tu l'auras bien cherché, Caporal. À faire tes griffes sur mon canapé. Son canapé? Depuis quand c'est son canapé? J'y passe 20 heures par jour, c'est mon canapé. Cette fois, Caporal, c'est la punition. Tu es trop gâté. Je sème du bonheur et je récolte quoi en retour? Le droit de me caresser. Je sors faire quelques courses. En attendant, si tu as faim, tu devras trouver tes croquettes toi-même. Et tu es privé de câlin. Quoi? C'est toi qui tiendras pas 2 heures sans câlin. Et les croquettes, tu me les serviras dans ma gamelle, sur mon canapé, tranquille, pépère. Bill, t'as vu ça? Oh oui. Tu paries combien que j'en fais des confettis en moins de 3 secondes? Hé, c'est pas du jeu, ça. Oh, c'est un petit mot pour la fête des mères. C'est super bien écrit. Ce petit mot gentil, pour toi je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête, maman chérie. C'est trop mignon. Il faut retrouver l'auteur de cette lettre. Une lettre comme celle-ci, ça doit pas finir par terre. Tiens, Bill, cherche. Hé, Axel, mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas la tête? Bill, non! Et j'en connais un qui va faire un petit bisou au trottoir. Il est pas bien, ton chien. T'aurais dû voir ça. Je lui ai fait une prise entre la balayette et le placage. Une placaillette. Du calme. Elle est à toi, cette lettre? Bien sûr que non. Je t'ai entendu la lire tout à l'heure. J'ai une tête à écrire des trucs de bébé, moi, sérieux. Tu peux me dire pourquoi tu me l'as piqué alors si elle est pas à toi? Quoi, on n'a plus le droit de rigoler? Ça t'a fait courir, au moins. Merci, Noisette. Noisette? Tu me la rends ou t'as bugué? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes devenu zinzin ou quoi? Mais donne! Tu as bien compris, Georges. Plus personne ne rentre dans la maison, et surtout pas Caporal. Il est banni pour la journée, punition nécessaire. Tu es le seul gardien en mon absence. Patapoutou-poutou. Pas de patapoutou-poutou pour les voyous qui détruisent des canapés. Excuse-moi, tarte au clou, mais c'est ma maison. Je suis VIP, tu peux me laisser rentrer. Ah, il veut se la jouer têtu, chapeau pointu. Très bien, on va voir qui est le seigneur des lieux. Parole de Caporal. Vous allez m'expliquer ce qui se passe avec cette lettre? D'abord, Axel me l'arrache des mains, et puis toi, ensuite, Noisette, t'essaies de me l'appliquer aussi. C'est quoi le truc? Désolée, Boule, mais j'ai pas pu résister. C'est à cause de Lapin Pillon. J'adore ce personnage sur l'enveloppe. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Il est trop mignon. C'est juste un lapin avec un nœud papillon. Et toi, Axel, pourquoi tu me l'as arraché des mains? Pareil, c'est comme Noisette pour l'enveloppe. En fait, je collectionne les enveloppes. Ouais, c'est ça. Non, stop. Cette lettre appartient à un enfant qui s'est donné beaucoup de mal pour bien écrire un petit mot, qu'il a glissé dans une belle enveloppe. Alors nous, on devrait essayer de lui rendre. Oui, ouais, tu as raison. Ça va pas être facile. Il y a pas beaucoup d'indices et le petit mot n'est pas signé. Je sais. Et si on donnait la lettre à la police?
Ah ouais, trop classe. Les plus grands policiers en train d'enquêter pour trouver l'auteur d'un poème pour sa maman. Vous savez, même les plus grands policiers peuvent se casser le nez sur une enquête hyper difficile. C'est pas dit qu'ils retrouvent le propriétaire. Attention, la lettre va s'envoler. La voilà. Alors, tu l'as retrouvée? Non, je la vois nulle part. La poisse. Aide-moi, Bill. Tu cherches pas? Si, bien sûr. Et toi, tu cherches pas? Si, mais j'ai pas ta technique, alors je te regarde pour savoir comment il faut faire. Eh ben, c'est simple, pour trouver quelque chose, on fait comme ça. Tu crois qu'elle s'est envolée aussi loin? Ah oui, enfin non. Où a-t-elle pu tomber? On devrait rejoindre Bully Bill, ils ont peut-être retrouvé la lettre. Ils nous auraient déjà appelés, mais tu as raison, allons-y. On sait jamais avec cette lettre. Tu viens ou pas? Tu trouves pas ça louche que Noisette et Axel veuillent récupérer à tout prix cette enveloppe? Oui, je vois pas bien l'intérêt de récupérer un bout de papier qui ne se mange pas, alors que là, il y a plein de bonnes choses à manger. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je crois que... T'as perdu quelque chose? Non, c'est juste que ça me gratte là. C'est ça, oh, j'ai peut-être attrapé des puces. Des puces? Stop! Si c'est à cause de cette lettre qu'on attrape des puces, il faut arrêter tout de suite les recherches. Je crois qu'on la retrouvera jamais, c'est nul. Oh non! Du cœur. Oh, génial! Hey, regardez ça! Bill a retrouvé la lettre! T'es un champion! Ouais, c'est super! Super, Bill! Merci, Bill! La porte sératique! La fenêtre aussi ratée! Il reste la cheminée! Hey, oh, pousse, arrête! Loupé! Pour la suite de la visite, suivez les flèches! Pouf, t'aurais pas perdu cette lettre par hasard? Je sais pas, elle parle de quoi? Ce petit mot gentil, pour toi je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête maman chérie. Waouh, il est stylé ce poème. Mais c'est pas à moi. Si tu sais pas quoi en faire, je veux bien l'enveloppe et le petit mot. Mais moi aussi je les veux. Et moi pareil. Bon, ça suffit maintenant. J'ai une idée. Bill, concentre-toi, renifle. Trouve l'odeur la plus ancienne, celle de l'auteur. Zut, j'ai oublié que je devais récupérer Rocket pour le sortir. J'y vais, hein, salut. Allez, vas-y, Bill, cherche. Bon, je la trouve complètement embrouillée, il y a trop d'odeur. Arrête, tu me chatouilles. Mais oui, je suis bête. Comme on l'a tous touchée, elle a un peu de notre odeur à chacun. C'était bien essayé, Boule, mais je crois que c'est raté. On saura jamais à qui appartenait cette lettre. Dommage. Bon bah, tiens, Noisette, t'as qu'à prendre l'enveloppe avec le dessin de lapin pillon qui te plaisait. Et pouf, je te donne le poème. Ouais, ouais, merci, Boule, t'es trop sympa. Ah!
pas rester fâché toute la vie pour quelques éraflures sur mon canapé. La prochaine fois, je dessinerai un cœur avec mes griffes. Bon. Mais oui. C'est hyper frustrant. On veut faire une bonne action et c'est pas possible. C'est pas grave, t'as fait des heureux. Bon, sauf Axel. Tiens, quand on parle du loup... T'es pas avec ton chien? Non, en fait, il faut que je te dise un truc. La lettre, enfin le petit mot... En fait, c'est moi qui l'ai écrit pour ma maman. Si tu me dis ça pour récupérer la lettre, c'est trop tard. Ce petit mot gentil, pour toi, je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête, maman chérie. Tu vois? Non, pourquoi tu me l'as pas dit dès le début, quand on était dans le parc? Moi, maintenant, j'ai donné l'enveloppe à Noisette et le petit mot à Pouf. J'ai rien dit parce que j'avais peur que vous vous moquiez de moi, que vous trouviez ça bébé. Mais pas du tout. Ton petit mot est super mignon, comme le lapin pillon. Et si ça t'ennuie pas, je vais écrire exactement le même pour ma maman. Avec Pouf, t'as déjà deux admirateurs qui vont réciter ton poème. Si tu veux être original, à mon avis, t'as intérêt à en inventer un nouveau. Merci, Boule, t'as raison. Je vais en écrire un nouveau pour ma maman. Ces histoires de petits mots pour la fête des mères, c'est bien compliqué, alors que... une bonne petite léchouille, ça suffit pour faire plaisir, non? Oui, ça vaut toutes les lettres. Un gros cœur? Mon chaton d'amour, c'est pour moi! Tu as trouvé tes croquettes tout seul et au lieu de les manger, tu as pensé à ta maîtresse! Toi, tu sais comment te faire pardonner, hein? Je vais enfin pouvoir rentrer à la maison, retrouver mon canapé! Il est drôlement réussi! Merci, Caro. J'y ai passé la journée. Et toi, tu offres quoi à maman? Et toi, mon chéri, tu m'as écrit quelque chose? Ce petit mot gentil, pour toi, je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête, maman chérie. Oh. C'est rigolo, ça me rappelle quelque chose. Chut. Les yeux. Oh non. 3 points de plus pour Bill. 29-0. Enfin un rayon de soleil. Après toute une semaine à se geler le pompon. Se geler? Tu parles, il faisait 15 degrés. Je sais ce que tu penses, caporal, mais je déteste le froid. Je n'aime même pas le tiède. Tu veux que je te dise pourquoi? C'est pas comme si je l'avais entendu déjà 10 000 fois, mais allons-y, j'écoute. Figure-toi qu'une fois, au pôle Nord, je suis sortie en mission secrète en oubliant mon anorak. Ne t'inquiète pas, Caro, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? La porte du frigo s'est refermée sur Caroline pendant qu'elle prenait de la laitue. Elle est frigorifiée. J'ai froid, mais tout va bien. Il n'y a pas de quoi fouetter, hein. Pauvre Caro, les tortues n'ont pas le sang chaud comme nous, les mammifères. Evie, c'est ça. Je l'ai lu dans un bouquin chez le véto. Faudrait enlever ta carapace pour que le soleil te réchauffe partout. Je reviens. Crois-moi, Caro, ça va te faire du bien. Mais j'aime pas trop enlever ma carapace. Allez, Caro, enlève-la et moi, je vais te frotter le dos. Et moi, je vais juste rigoler. Merci, Bill, ça va beaucoup mieux. Tiens, Caro, maman t'a réchauffé de la soupe d'hier. Voilà. Oh, mon idole, elle a eu la même idée que moi. Tel chat, telle maîtresse. George, ne laisse personne entrer sous aucun prétexte. Et surtout pas Boule.
On se retrouve au parc pour faire un foot. C'est plus sympa que le basket. Il veut prendre sa raclée au foot aussi. Dès que Caro va mieux, on arrive. C'est bon, maintenant je suis réchauffée. Caroline, tu n'avais pas mise là ta carapace. C'est comme s'il me manquait une partie de moi-même. À tout à l'heure, on va faire des courses. Vous avez vu la carapace de Caroline? Bah, Caro, tu te souviens vraiment plus où tu l'as mise? Elle doit pas être bien loin, ça ne se perd pas une carapace. Bah si, hein, la preuve. Bon, il suffit d'ouvrir les yeux. Oh, aïe, aïe, c'était là, ça? Mesdames et messieurs, le retour de Super Haricot. En fait, j'hésite. J'hésite entre Super Endive, Flageolet Girl ou Haricot Bear Woman. C'est sûrement le matou qui a volé la carapace. Ça va, mon Bill? Tu crois que c'est Caporal qui a fait le coup? Pas sûr, sinon il aurait laissé son odeur dans le jardin. Oh, peut-être que les caméras de Madame Stick ont filmé celui qui l'a prise. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Madame Stick, c'est Boule. Je me demandais si vos caméras de surveillance avaient... Elles sont en panne. Cette carapace est idéale pour ma nouvelle invention. Elle m'a même pas laissé finir. Venez, on va aller voir. Ces caméras ne peuvent pas être tombées toutes en panne en même temps. Laisse tomber, Bill. On va chercher nous-mêmes. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est forcément Pouf qui nous a fait une blague. Salut, Nolan. Un monstre. Un monstre? Oui, je... Mais non, Banane, c'est Caroline. Bah oui, je sais, je plaisantais. Je ressemble plus du tout à rien. On me confond même avec un monstre maintenant. Dis, c'était drôle 5 minutes, mais tu peux la rendre maintenant, la carapace? Moi? Mais je l'ai pas prise. Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est qui alors? Super Hippomètre, un serpent avec des pattes. Il s'est sûrement échappé du zoo. Reste là, petit monstre. Reste là. Bill, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Excusez-le, il a eu peur du serpent. Il est parti par là, monsieur. Surtout, restez calme. Il y a un reptilien rampant en liberté. S'il y a un charmeur de serpent, je suis preneur. Même un joueur de flûte. Il vaut mieux qu'on rentre à la maison. On va te trouver une carapace provisoire, ok? On cherche de notre côté. Si on trouve celui qui a fait ça, on te le dit. Oh, c'est humide là-dedans. Oh! Et puis ça sent la feuille bouillie. Oh, ça pèse au moins 1 kg, ce truc. Et où est les copains? Vous êtes où? Et voilà. Impec, ça c'est léger. Tu vois où tu vas et tu respires. Oh, heureusement, parce que là-dessous, ça sent un peu les pieds. Oh, oh non. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est peut-être tombée nez à nez avec le même voleur que nous.
Bill, va voir, mais fais attention. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Madame Stick? Elle a la carapace. Elle installe un réacteur dans la carapace de Caroline pour l'envoyer loin d'ici. Papa! Maman! Zut, ils sont partis faire des courses. Pas le temps de les attendre, il faut agir. On va s'occuper de George et Caporal. Et de Madame Stick. Ah ça, c'est une très bonne idée, mon Bill. Alors, George, tu fais mal ton travail? Bravo, Super Harry. Caro, même sans carapace, tu assures. Eh, ce serait pas la perche télescopique de Madame Stick, là? Maintenant, au tour de Madame Stick. Tu crois qu'elle rentre là-dedans? Mais non, Caro. Je voulais dire au tour de Madame Stick d'avoir affaire à... Boule, Bill et Caroline, les justiciers. Ça y est, j'ai modifié la carapace. Oh, qu'est-ce que vous faites là? George! N'importe quoi. C'est... un serpent. Oh, c'est vrai. Bien joué, mon Bill. C'était Caroline. Oh, il y a comme des fils à l'intérieur. Tu vas voir, ma petite tortue. J'ai installé le chauffage à l'intérieur de ta carapace. Le chauffage? J'ai entendu quand Caroline avait froid et je sais ce que c'est d'être frigorifiée. Pourquoi vous n'avez rien dit? Je n'étais pas sûre de réussir mon invention. D'ailleurs, j'en ai un peu bavé. Enfin, pas de la bave, hein, je veux dire... tiens, Caroline, maintenant c'est à toi. Ah, on se croirait sous les tropiques. Au revoir et encore merci, Madame Stick. De rien. George, une boisson fraîche. George? On les a oubliés, ceux-là. Je me vengerai. Ah, j'ai chaud. Coucou, Caporal, je t'ai manqué. J'ai chaud. Ah bah, c'est pas trop tôt. Hein? Oh, on crève de chaud. Oh, à boire. Oh, y a pas à dire, ça fait du bien. À votre avis, c'est qui le plus fort aux Twisteuses? Comment ça? C'est moi! Regarde Pouf, il tient à peine sur ses jambes. Ah oui, tu crois ça? Ben moi, je crois que ça va être trop drôle quand t'arriveras pas à enchaîner 4 ou 5 figures de suite. Tu parles, la dernière fois, j'en ai fait 11 sans me tromper. Ouais, ça devait être dans tes rêves, ça. Hé, du calme, les garçons. Pourquoi on ferait pas un test ce soir chez Boule? Je serai le maître du jeu. Il nous faut juste un autre joueur et c'est bon. Un autre joueur? Bah, qui ça? J'ai pensé à... Bill. Bill? Oui, pourquoi pas. Allez, on fait comme ça. Quelque chose me dit qu'il va vous mettre la pâtée. Hein?
À tout à l'heure. Bon, bah, moi, je vais m'entraîner. Moi aussi. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bah, dis donc, il est pressé. Attention. Carré. Triangle. Rouge. Violet. Croix. Vert. Plus. Violet. Carré. Triangle. Rouge. Violet. Oh, non. Bill utilise mon jeu. Comment je vais faire pour m'entraîner? Ah, je sais. Salut, Bill. Comment ça va, Caro? Caporal, mais qu'est-ce qu'il fait là? Hé, hey, Bill, il est en train de voler tes croquettes. Ouais, 27 de suite. Record battu. Bon, ben moi je vais jouer au ballon dehors, tout seul. Au ballon? Dehors? J'arrive. Allez, Bill, plus vite, plus vite. Allez, va chercher. Attrape. Bravo. Ouh, Bill, ça te dirait pas une petite sieste de 2 heures? Allez, va chercher, rapporte la balle, c'est bien. À ce rythme-là, c'est moi qui vais avoir besoin d'une sieste. Oh là là, la bêtise! Je l'ai. Quand j'étais petit, j'étais le meilleur gardien de but de toute l'école primaire. Hey. Mais quand même, là je suis impardonnable. Non, c'est pas grave, il n'y a rien de cassé. Tu devrais juste faire un petit peu plus attention. Oh, pardon, tu as raison, 10 fois raison. Je n'ai rien cassé là, mais j'aurais pu casser quelque chose. Je suis d'accord, je mérite une punition. Hein? Mais une punition? Non, c'est moi qui... Boule, enfin... Oui, je sais, je vais aller dans ma chambre tout seul pour me calmer tranquillement et réfléchir à ce que j'ai fait. Allez, allez, Bill, écoute ce que dit papa. On se retrouvera tout à l'heure après la punition. J'ai pas tout compris, là. J'ai parlé de punition, moi. Boule, tout va bien, mon chéri? Tu n'y serais pas allé un peu fort? Boule et Bill étaient un peu trop dissipés à mon goût. Ça ne leur fera pas de mal de rester chacun dans leur coin pendant quelque temps. Boule dans sa chambre et Bill dehors. Qu'est-ce qu'il est sévère? Oh, pauvre Boule, et dire que tout ça, c'est ma faute. Youpi! Enfin seul! Que l'entraînement commence! Jaune, rose, bleu, violet, plus jaune. Moi je dis, c'est vraiment, vraiment injuste! T'as raison, Caro. Il faut qu'on aille libérer Boule, d'accord? T'es sûre de toi, là? Mais oui! Puisqu'on peut pas rentrer dans la maison, on va devoir faire sortir Boule par la fenêtre. Jaune, croix, Descends, Boule! On va te sortir de là! Bill, non! Je suis puni! Oh, vite, va-t'en, j'entends papa! Alors là, non, non et non! Ferme tout de suite cette fenêtre, Boule, je ne le répéterai pas! C'est pas bien du tout, je te rappelle que tu es puni! Allez, j'attends. Oui, pas, désolé. Papa est complètement ouf aujourd'hui. Mais j'apprends bien qui j'apprends le dernier. Il va voir. Si on se fait attraper dans la maison pendant que t'es puni, tu sais, tu vas avoir de gros problèmes. Chut! Eh ben justement, fais pas de bruit. Super. Maintenant, il va falloir les empêcher de sortir. J'ai vu ça plein de fois dans des films. Il suffit de mettre une chaise devant une porte pour qu'elle puisse plus s'ouvrir. B-
Bill, t'es vraiment mon héros. Merci, ma petite Caro. Bleu, triangle, violet, croix, rouge, jaune, carré, violet, bleu, vert. J'arriverai jamais à battre Bill. Bouh. Ah. Hey, c'est nous. Libéré. Bill, qu'est-ce que tu... Je peux pas sortir, tu le sais parfaitement. Arrête maintenant, je suis punie. Papa ne veut pas. Il faut que je reste dans ma chambre. À cause de papa. Arrête, il va t'entendre. Papa, papa. Y a Boule qui t'appelle, chérie. Aïe. Est-ce que ça va? Bill, arrête! Je dois rester tout seul dans ma chambre! Mais qu'est-ce qui se passe, Boule? Bon, allez, je lève la punition. Vous pouvez tous aller jouer dehors. Ah, on a gagné, on a gagné. Youpi! Non, je peux pas jouer, je dois encore faire mes devoirs avec Pouf. Je peux aller le chercher? Hein? Pouf, Pouf, descends, vite. Je viens de faire 12. Ça suffira pas, Bill a battu le record tout à l'heure. Oh, on est fichu. À moins que... Tiens, bonjour, Pouf. Bonjour, madame. Tu vas bien? Oui, merci. Viens vite, Pouf, on va faire notre devoir. Celui pour le mois prochain. Si on commence à travailler aujourd'hui, on sera super bien préparé pour le mois prochain, non? Oui, enfin... Ah non, pas encore. Mais qu'est-ce qu'ils ont les adultes aujourd'hui? T'as raison, maman, on n'a pas le temps de jouer. Faut qu'on s'avance sur nos devoirs. Tu crois pas que t'y allais un peu fort? Eh bien, les études, c'est très important. Il ne faut pas les négliger. Bah dis donc, c'est la journée des punitions. Ils ont l'air de bien rigoler, c'est quoi leur devoir? Cette histoire sent la vieille croquette pour chat. Tu crois? On devrait les espionner. Ouais, on va demander de l'aide à Robin. Là, mais vas-y, c'est la vie rouge. Carré, violet. Mais attention. Alors, qu'est-ce que tu vois? Deux garçons qui ont une drôle de manière de jouer au Twistos. Au Twistos? Quoi? Ils jouent sans moi. Alors ça, c'est pas très gentil. C'est horrible. Boule veut même plus jouer avec moi. Bien sûr que si. Viens, on va aller le voir. Ouais, oh. T'as raison. On va les prendre la main dans le sac et les pieds sur le tapis. Allez, on y va. À la une, à la deux. C'est quoi après deux? Bill! Ne fais pas la tête, Bill. Tu sais, j'adore jouer avec toi, mais j'ai pas envie que tu mettes la pâtée au Twistos devant Noisette. Tu comprends? Pareil pour moi. Et voilà, ça va être ma faute si je suis bon au Twistos maintenant. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai réfléchi à pourquoi tu étais aussi fort. Et j'ai compris qu'avec tes quatre pattes plus tes oreilles, t'as quand même un gros avantage sur nous. Alors je me suis dit qu'il fallait être deux pour te battre à ce jeu. Ah? Du coup, on va faire équipe contre toi pour être à égalité. Et comme ça, on aura quatre pieds comme toi. Et on a deux mains comme toi, t'as deux oreilles. Et voilà. Ils sont trop drôles comme ça, non? Comme s'ils allaient me battre de cette manière. Je suis invincible. Alors, vous êtes tous prêts? Plutôt deux fois qu'une. Prêt? On est prêt. Attention, go! Rouge, jaune et toi. Carré, carré, triangle et vert. Violet, plus, jaune, jaune, carré, bleu, triangle et vert, violet, jaune, étoile, carré,
Carré. Waouh, bravo! Vous avez fait 31. Super! Ouais. Bravo! Eh ben, ça va pas être facile à battre, Bill. Ah oui? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Vous croyez que je peux pas relever le défi? Prêt? Carré, vert, violet, triangle, jaune, rouge, croix, vert, carré, vert, violet, ouais!